Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 14e numéro de Super Mario Maker, la série du dimanche où je joue à vos niveaux. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Et comme tous les dimanches, on a une sélection au niveau, la liste qui se raccourcit petit à petit et qu'on va raccourcir encore un peu plus avec les niveaux du jour. On peut pas vous faire attendre plus longtemps. On va commencer avec un premier niveau qui nous a été donné par Scorpio. Alors oui, Scorpio apparaît souvent récemment, mais il m'a donné pas moins de 8 niveaux, et donc, bah, forcément, il compose une bonne partie de la liste, c'est pour ça. Alors, entre le code, je rappelle que si vous avez envie d'essayer les niveaux qui ont été faits aujourd'hui, vous trouverez les codes dans la description, et si jamais vous voulez m'envoyer un code de niveau que vous avez créé vous-même, ou que vous pensez que je pourrais apprécier, que vous avez trouvé sur l'internet, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, histoire qu'on fasse du lolol, de la rage, du wouboub, et tout ça. Alors, oh, je le connais ce niveau. Je le connais. Je n'y ai jamais joué, mais ce niveau est tellement populaire, c'est l'un des premiers, je crois. Est-ce qu'on peut voir la date où il a été uploadé, s'il vous plaît? Voilà, 11 septembre 2015, il a été upé à la sortie du jeu. C'est Mario façon Super Meat Boy. Et je crois même que c'est inspiré, or le début en tout cas, si on regarde les premières choses, c'est inspiré du dernier niveau du premier monde de Super Meat Boy. Oui, j'ai un petit peu joué à Super Meat Boy, forcément. Donc, on va se lancer. Je précise, si c'est la première fois que vous voyez du Mario Maker, ou simplement une petite piqûre de rappel, c'est pour un petit détail, pour éviter qu'on me pose la question, vous allez voir que je me tourne dans cette direction pour regarder l'écran de la console pour pouvoir me concentrer, plutôt que de regarder l'enregistrement qui est sur ma droite ou le retour caméra qui est droit devant moi. Ceci étant dit, on se met en place, on prépare les munitions parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui chez moi, je sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, aux Pays-Bas, il fait un petit peu chaud, et c'est parti, commençons Super Meat Bros. Allez, c'est parti, je crois que c'est dans du Mario Bros. U. Ah oui, en même temps, tu me diras, il faut du wall jump. Alors, par contre, c'est vrai que je suis une quiche en wall jump dans ce truc-là. J'ai tellement l'habitude de faire dans la direction opposée, alors qu'il faut aller vers le mur. Oula. Il faut pas hésiter à faire les petits whoop. Allez, prendre les mains, mon petit Mario. Ouais, on doit passer le premier truc. Hop, on passe. Fichtre. Ok, faut avoir un peu un setup comme ça. Ok. Alors. Je suis en train de me demander est-ce que je peux pas simplement appuyer quand j'arrive sur le mur. Attends, on va faire le test. Ah mais non, faut vraiment avoir une direction. Merde! En plus, faut alterner le gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Mais j'ai appuyé! Espèce 2, va! Espèce 2. Mais... Je crois qu'en fait, il faudrait que je lâche le sprint une fois que je saute. Et là je suis trop d'élan. Génial. Allez, la dernière fois j'étais dans les 0,30%, là je vais être dans les 0,60. Allez. En plus je suis en train de me dire, c'est l'un des tout premiers niveaux du jeu, ça veut dire qu'il n'y aura pas de checkpoint. Oh, je sens que je vais tellement m'amuser. Putain mais, le pire c'est que j'appuie sur ce fucking bouton. J'ai pas le réflexe, c'est dingue. Et bien sûr, trop d'élan. Ouh, ça va être fun. Mais fais le putain de saut. Ta mère, là. La Mario Mother, ouais. Mais putain. Putain, j'aime quand la commande répond pas, quoi, c'est génial. Bon. Oh,
fuck la logique. Mais... Merde. Putain, je commence à crever de chaud, moi. Ouf, allez hop. En mode sportif. La serviette autour, du coup. Ok. Ah, mais fuck ta vie, toi. Là, ta maman. Sur mon tracteur. Leur délire des sauts, enfin des sauts muraux, c'est contre-intuitif pour moi. Ce que je veux dire, t'es censé aller, tu t'es censé... Oh, ta mère, le chomp. T'es censé appuyer dans la direction où tu veux aller, pas dans la direction où tu viens. Et j'ai tellement le réflexe de faire l'inverse, bah, du coup ouais, tu m'étonnes que je les passe pas les wall jump. Ça, je sens que c'est un niveau que je vais pas finir. Enfin bref, joie, bonheur et félicité, n'est-ce pas? Bon. Oh yeah. Timing à comprendre avec les chombes, super. Okay. On est passé. Vas-y, sort petit chomp. On va passer tout de suite derrière eux. Laissez-moi tout. Oh yeah. Ah, fais ton truc, le tombe. Ok. Ah, attends, je crois que je sais comment passer ici. Allez. Là, je commence à comprendre. Passer en même temps que le chomp. Presque. Oh, non. LOL. J'ai pas fait gaffe, monsieur. J'y vous jure, j'y pas fait gaffe. Allez. Ok, très bien. Voilà. Comme ça. Grâce au saut toupie. Yeah. Ah bah c'est parti, hein. Je sens le bout. Ah non, merde, merde, j'ai oublié de sauter. Fuck. Bon, en tout cas, il y a du progrès. C'est bon signe. En tout cas, pour une réplique de Super Meat Boy, c'est bien foutu. Il y a des sites partout. Tu crèves tout le temps. C'est une très bonne reproduction de Super Meat Boy. Ah ! Merde ! Je pensais pas que j'atterrirais là. Fichtre. Yeah.
Ok. Allez, sors petit choupe. Voilà. Sors petit choupe. Ah merde! Eh, pourquoi je suis pas passé là? Bon. Ah merde. Ça aurait été pas mal de passer comme ça. Ça aurait été pas mal. Allez. Ah non, putain de chomp. À te faire en papaouter le chomp. Allez, dans ta face le chomp. Ok, double dose de chomp. Là, il y en a un deuxième. Fuck you, le chomp. Oh. Eh oui! Réussi, tas de bitches! Boom! Super Meat Bros is done. Ah, je suis fier de moi, là. Ah, je suis fier de moi. Oh, j'ai la hype. Tu la sens, ma grosse hype? Allez, on prépare le niveau suivant. Le niveau suivant est déjà sélectionné. Alors on va bien sûr donner une étoile au créateur qui a quand même fait un boulot de ouf. Parce qu'il n'y a pas à dire recréer du Super Meat Boy dans Mario, vous me direz, ça s'y prête très bien. Puis bon, on va pas se mentir, hein, Super Meat Boy est largement inspiré de Mario, donc ça me paraissait legit. Et je fais partie des 0,60%. Oh yeah! Ça, ça te met un boost à la motivation, c'est dingue. Allez! Deuxième niveau du jour qui nous a été donné par MomodiBled. Tac 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 tac, on rentre vite fait le code. Bah c'est bien, c'est que des chiffres. Et 8, 2, 6, 7, voyons voir. Il cherche, donc ça a l'air d'être bon. Easy Pac-Man Deluxe, ah c'est pas mal ça. Va falloir choper toutes les pièces et on a des bouts qui nous courent après je suppose. Encore une fois dans du Super Mario Bros. U, et ben c'est parti. Bon, Easy Pac-Man Deluxe, on devrait pas avoir trop de difficultés à s'en sortir. Ah oui, en plus t'as le... Ah bah oui, forcément, pour faire comme le Pac-Man. Alors, on va essayer de choper un max de pièces, parce qu'elles sont là. Et puis, qu'accessoirement, choper tous les points, c'est le but de Pac-Man. Je peux avoir un nuage, s'il vous plaît? Merci, monsieur. C'est bien aimable à vous. Allez, vous savez quoi? Je me lance le défi d'obtenir toutes les pièces. Ah merde, donne-moi un nuage. S'il te plaît. On va attendre qu'il disparaisse. Merci beaucoup. C'est très aimable de votre part. Ah, en plus c'est bien, t'as des nuages un peu partout pour justement pouvoir avancer tranquille au poète. Voilà, on récupère vraiment toutes les pièces. Ce que je veux dire, elles sont là. On va pas se gêner, non? Genre pourquoi on se gêne? Enfin, en plus avec tous les... Allez, on en récupère certaines sans nuages. Oh, une étoile. Ah merde! Mais bon, le défi est toujours actif. Essayez de récupérer toutes les pièces du niveau. Je sais pas combien il y en a, on sait qu'il y en a au moins 91. On va redescendre. Donne-moi un nuage. Donne-moi un putain de nuage, merci. Vous voyez ça comment on l'a esquivé? On m'appelle Babou, dis l'esquive. De toute façon, d'après la carte du level qui nous est présenté, il a pas l'air très long. Ah bah forcément. Ah bah oui! Forcément pour pouvoir tuer les ennemis. Eh, c'est un niveau Pac-Man à la. C'est un niveau Pac-Man donc forcément. Voilà, comme ça on est un peu plus tranquille. Je dirais même on est peinard. On rampe par là.
Oh, donne-moi cette étoile, toi tu seras gentil. Reviens là! Au revoir. Ok, donc là c'est la fin. Bon, on va quand même aller choper toutes les pièces. Donc il y en a plus de 100. Ah, puis il y a même les vies pour le mode sans Mario. Donne-moi ça. Oh, tout juste. Donne-moi un nuage, s'il te plaît. Merci. Donc on a 127 pièces. Reprends ce nuage. J'ai le temps de les arrêter dans des positions de merde, mes nuages, quand même, hein. Allez. Disparais, petit nuage, que je puisse en prendre un nouveau. Merci le tuyau. Donc 127... On a 132, ce que j'en ai oublié. Apparemment non. Eh ben on va pouvoir finir le level, qu'est-ce que vous en dites? C'est quasiment 200 pièces. Allez, on va essayer de récupérer les dernières. On va peut-être pas... On va peut-être pas toutes les avoir. Allez, est-ce qu'on peut en avoir au moins 200? Merde. J'ai fait un coup de cul. 202, donc il y a 207 pièces dans ce niveau. Merde. 204. 205. Est-ce qu'en faisant un triple saut, je peux pas les avoir? Eh ben 205 sur 207, le défi était pas loin, mais le niveau est terminé, c'était détente, voilà, c'était détente. Et on remercie une nouvelle fois Momo Diblette qui nous a passé ce niveau, je suis plus sûr de l'avoir remercié. Allez, j'ai le prochain niveau, donc on va commencer, alors il y a quelqu'un qui l'a fini en 10 secondes, mais j'ai pris 251, tranquille, au KLM, comme disent les jeunes, évidemment. Allez, le prochain niveau nous a été proposé, alors je sais pas si c'est lui qui l'a créé ou pas, mais en tout cas il nous a été proposé par Frapper Games. Et... Wait. Pourquoi il me dit que mon truc a plus beaucoup de batterie? Oh fuck. Vous me laissez 2 secondes? C'est moi! Ok. Donc apparemment la prise était juste mal enfoncée. C'est pour ça qu'il me disait « Hey, j'ai plus de batterie !» Allez, donc, comme je le disais, le prochain niveau nous est proposé par Frapper Games. Et on va rentrer tout de suite le code qu'il nous a donné. 4, 2, D... Non, pas F, D, 7, 1. Road to Bowser, créé par Anaïs. Et bon, on va voir... 3 personnes sur 36 n'ont réussi, encore une fois, dans des Super Mario Bros. U. C'est parti! Alors déjà, il y a un Bowser Copter. Il y a un plafond. Ça, c'est bien, ça empêche de casser le niveau. Ça, c'est bien. Doucement. C'est doucement, la précision. Là, par contre, le Bowser Copter, il passe pas, donc... Il faut que je passe. Boing, 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 boing. Je vous ai dit qu'on faisait Boing. Bon, je vais prendre un avion. Vous devinerez jamais la compagnie. Enfin, la marque. C'est un Boing. Alors, si je prends cette porte-là... C'est un piège. Bien. Ou alors... Possibilité de ouf. Il est... D'une probabilité très probablesque... Doucement, doucement, petit Bowser Copter. You can do it! Ou pas. Ou pas. He cannot do it. Voilà, donc on passe en mode tranquille ou couette-couette par ici. Vraiment en mode tranquille ou couette-couette, nickel. Allez donc, Boing. Boing. Ah merde, j'ai oublié d'appuyer sur le saut. C'est ballot ça, hein. C'est même Bali, parce que c'est Bali ballot.
on passe par là en mode à la one again. Parfait. Donc, boing, boing, boing. Est-ce que j'ai dit qu'on faisait boing? Oui. Ok, et l'interrupteur B, il fait quoi? Et ce truc-là, ça fait quoi? Merde! J'ai sauté trop loin! Celui-là... saute... Ok. En prenant un peu plus d'élan, ça devrait passer. Vas-y là, 1 sur 2, qu'est-ce qu'il y a? Ok, qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, voilà, j'allais dire, je sentais une étoile. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, reviens le champ, reviens le champi propulseur. Reviens, je te kiffe. Essayer sans. Hein. Ah bah ça passe pas par là, tiens. Ah, hein, que de tuyaux. Ok, donc je peux rentrer dans aucun d'entre eux. Ah, hein. Ok, les Rex. Là par contre, dans ce jeu, je devrais pouvoir rentrer. Oui, le champi propulseur, je t'aime. Ah, et le jeu qui me dit GG, ouais! Et 2-3. Eh, sur les deux derniers épisodes, je suis en forme niveau réussite, ça fait zizir. Allez, on a le temps de se faire encore un petit niveau, je sais pas trop on a combien d'épisodes, parce qu'il y aurait eu des coupures, forcément. Avoir le temps, je dirais qu'on est autour de 20... Oh! Et j'ai le record, tas de bitches. En même temps, il y a pas grand monde qui a fini le level, donc forcément... Forcément. Allez, on a le temps de se faire un quatrième niveau, je dirais qu'on est à un peu plus de 20 minutes. Et le niveau nous a été proposé par quelqu'un qui a l'habitude de nous proposer des niveaux dans cette série, The Dangerous Anna. Et on va rentrer tout de suite le code qu'elle nous a donné. Tac 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 tac, tac 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 tac, et tac 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 tac. Normalement, c'est bien ça. Voyons voir. Il a l'air de chercher quelque chose. Terrier du Tekel joyeux. Ok. 5,69% de réussite. Et encore du Super Mario Bros. U. Bon, ben on n'aura pas eu grand chose d'autre. J'aurais aimé avoir un peu de Mario World, un peu de trucs comme ça, mais non. Bon, on fera ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Ok. Oh, des pièces, c'est gentil. Oh, il y en a que deux. Il y en a que deux. Ça va. Ça fait quoi si je vais ici? D'accord, on peut ressortir, c'est bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Oh, une vie. Bon, ça c'est utile pour le défilé sans Mario, forcément. Ok, donc c'est simplement pour dire si tu veux une vie, va par là. Ok, bon, bah du coup on va continuer par là. D'accord, là il y a des ennemis qui sortent, donc faut grimper. Là par contre, je dirais qu'on peut rentrer. Et on a une version souterraine. Alors là, faut faire gaffe. Voir si je pouvais déclencher la descente de l'un d'entre eux, parce que là c'est dangereux. D'accord, ah bah non. Ah, faut pas oublier que ça arrive, pas que j'oublie le saut toupie. Très très important. Remarquez au pire, je peux toujours prendre un damage boost avec... en prenant un coup. Donc là il faut faire gaffe, voilà. On sait qu'on a le machin là qui sort. Et on sait qu'il faut qu'on prenne ce tuyau là. Bah dis non là. Voilà, comme ça, ça sera plus simple. Allez, mettons, on suit la marche. Et on sort de là. Salut! Des champis, parce qu'on va probablement en avoir besoin. 3 pour être sûr qu'on en chope un, c'est parfait. Ah oui, surtout parce que c'est bâtard, en fait.
Ok, donc on va avoir besoin de ça. À toi de jouer. Oh, mais c'est malin comme concept. Tu balances le truc et c'est l'ennemi qui active l'interrupteur P à ta place. C'est sympa. C'est bien fait. Oui, je sais, il m'en faut peu. Il m'en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure. Et oui, bon, je vais peut-être pas vous chanter toute la chanson. Parce que vous comme moi, on en aurait marre au bout d'un moment. Je suis pas sûr que de connaître toutes les paroles. On va essayer de suivre. De toute façon, il y a un rythme à choper. Alors, on passe comme ça, c'est tout aussi simple. Ah, et puis c'est les espèces de Buzzy Beetle, c'est pas les autres trucs. Je sais pas comment ils s'appellent, mais bon. Allez, viens là le Koopa. On va laisser descendre un autre Koopa. Voilà, parfait. Oh, attends, là il y a... Voilà, j'allais dire... Ah, je t'avais pas vu, toi. Je t'avais pas vu. Une nouvelle tentative. Ok. Ça par contre le poudre je m'en serais passé hein. Des wheelers. Un squelette rex et une porte. Bon bah je prends la porte hein. Ok, très bien. Strike. Un champi, je te kiffe. Des saletés sur mon écran, tiens. Voilà. Ok. Oh. Un interrupteur P. Ok. Et les pièces, vous redevenez les blocs, vous redevenez les pièces. Merci. Oh bah même là, il y a des saletés. Ok, donc faut qu'on attende parce qu'il y a le Koopa, il y a l'interrupteur P qui n'arrête pas d'être activé. Un peu de réflexe pour passer, genre comme ça. Hmm. Ok. Donc il va falloir passer très vite. Comme ça par exemple. Très bien. Mais non, fais pas le saut, fais pas le coup de tue mon cher Mario. Alors, on arrive où maintenant? Ok. Champi! Mais non, il y a un bloc où je peux passer, bande de mécréants. Ah, regardez. Elle est pas belle, la vie! Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a peut-être un ennemi qui sort. Oh! Il y a un Yoshi! Non, reviens, Yoshi! Need Yoshi! Bon bah. Bon bah, attends. Et là, mon pote! Mais ouais! Pourquoi faire le niveau seul quand tu peux le faire avec un Yoshi? D'accord, en fait, t'étais obligé de l'abandonner, pauvre Yoshi là. Excellent. Pas facile à choper cette sortie. Oh le troll. Oh le troll final. Oh c'est tellement moche. Oh je suis impressionné d'avoir vu ce troll en fin de jeu. Bon, eh ben vous savez ce que ça veut dire. On a vu tout le niveau. On va faire une petite coupure. Le temps d'arriver à la fin. Et je me suis pas fait troller deux fois. Hey. Eh ben voilà. Je pense qu'on a notre petite collection de niveaux du jour. Ça fait zizir. Encore un sans faute. Je suis content, je tiens à le signaler. Hein. On va donner
une étoile au créateur. Et en ce qui nous concerne, nous les gens, on va se quitter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau numéro de Mario Maker. J'espère qu'il vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un code de niveau que vous voulez que j'essaye, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler à la chaîne autour de vous, cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et en attendant de prochaines vidéos, je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye!